La princesse Charlotte a profité d'une journée aux Jeux du Commonwealth avec ses parents, le prince William et la duchesse Kate, avec des fans royaux remarquant le lien spécial entre père et fille. C'était la première sortie publique de la jeune royale sans ses frères, le prince George et le prince Louis. Cependant, la princesse de 7 ans a pris la sortie dans sa foulée et a semblé apprécier les projecteurs. Le duc et la duchesse de Cambridge ont guidé la princesse pendant sa journée alors qu'ils regardaient la natation, le hockey et la gymnastique à Birmingham. Personne n'était plus fier de la princesse que le duc qui a été vu en train de la rassurer aux côtés de la duchesse. Il y a eu plusieurs moments où le duc a offert son soutien à sa fille en la comblant d'affection. À un moment donné, il a mis les cheveux de Charlotte derrière ses oreilles. Le duc a également essayé de stimuler l'esprit de Charlotte lorsqu'elle semblait un peu ennuyée et agitée en regardant le hockey. Ces adorables gestes réconfortants ont ravi les fans royaux qui ont été ravis par le lien spécial entre père et fille. L'une d'eux a écrit sur Twitter, « J'ai remarqué que Charlotte aimait beaucoup William et vice-versa. Elle était très engagée avec lui et se blottissait contre lui. Ils ont un bon lien en tant que père et fille. » Un autre a ajouté, « Le prince William et la princesse Charlotte sont si mignons. » Un troisième a ajouté, « Chérie Charlotte aime son papa William. » Alors qu'un autre a commenté, « Ces photos du prince William et de la princesse Charlotte me réchauffent le cœur. » La princesse a fait une gamme d'expressions au cours de sa journée, y compris tirer la langue. Tim Lawler, directeur général de Sport Aid, a décrit la princesse comme charmante après l'avoir rencontrée lors d'une visite royale à l'université de Birmingham. Un troisième a ajouté, « Chérie Charlotte aime son papa William », alors qu'un autre a commenté, « Ces photos du prince William et de la princesse Charlotte me réchauffent le cœur. » La princesse a fait une gamme d'expressions au cours de sa journée, y compris tirer la langue. Tim Lawler, directeur général de Sport Aid, a décrit la princesse comme charmante après l'avoir rencontrée lors d'une visite royale à l'université de Birmingham. Au cours de la visite, les Cambridge ont entendu parler de l'initiative de l'équipe England Future. La princesse est apparue curieuse de son environnement et des personnes qui l'entouraient lors de la visite du site universitaire. Cependant, elle semblait aussi parfois un peu inquiète, le duc a répondu en offrant un bras rassurant autour de son épaule et a offert des mots encourageants. Kate a également tenu la main de Charlotte à divers moments de la visite.